beaucoup de vidéos sur le running. On va voir ce que c'est que l'endurance fondamentale. Pourquoi courir? Quand et comment? C'est parti! Donc l'endurance fondamentale, c'est le fait de courir moins vite qui va vous faire progresser. Courir moins vite à 70% de sa fréquence cardiaque maximale, que l'on peut mesurer avec cette petite montre ou toute autre montre, ou voir un cardiofréquencemètre. La fréquence cardiaque, elle est de 220 maximale par être humain en théorie. Donc par exemple, un homme de 42 ans, merci Wikipédia, il aurait une fréquence cardiaque maximale de 178. Voilà, pour info. Ce rythme vous permet de vous entraîner très longtemps et ça va vous habituer à faire des efforts longs et ça habitue votre système cardiovasculaire à travailler. Donc l'endurance fondamentale, c'est une allure que vous pouvez tenir sur une heure ou deux. Vous pouvez parler, vous pouvez... C'est une allure facile, on force pas, on se laisse courir en fait. Et c'est 80% de votre temps quand vous faites du running. Il n'y a pas de phase technique, on court juste. Une heure ou deux. Une heure ou deux, yes. Les phases techniques, on appellera plutôt des séances de fractionnés où on fera une certaine distance avec un temps de récupération que l'on va répéter plusieurs fois, qui va habituer votre corps à aller plus vite. Donc on sera sur une grosse vitesse. Et on ne peut pas faire ce genre d'entraînement 5-6 fois par semaine, ça vous générerait trop de blessures. Ou même des sprints. Les sprints sont très traumatisants pour l'organisme. C'est très bon pour travailler votre masse musculaire et votre vélocité, votre vitesse. Mais c'est pareil, si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, vous allez forcément vous faire mal. Donc, on ne peut pas faire ça tous les jours. Enfin, du moins, moi non. Et j'ai fait d'autres vidéos sur le fractionné, le 400 et le 300 mètres. Et aussi plusieurs vidéos de sprint que je mettrai en bas dans la description. Ah, et donc, cette allure, comme j'ai dit, qui est facile au niveau de la posture. On reste bien droit, on suit une ligne invisible, on peut s'aider des bras. Au niveau de mes jambes, je les laisse retomber, c'est-à-dire je n'appuie pas sur le point de mes pieds pour rebondir très fort. Je me laisse tomber, je me laisse couler en fait. C'est facile. Contrairement à l'allure de course, on génère beaucoup d'énergie, on va très vite. Et ça c'est pareil, on ne peut pas le faire tous les jours. C'est une allure qu'on travaille pour travailler une compétition et qu'on va faire plusieurs fois par semaine. Pour essayer de s'habituer à aller à l'allure course. Par exemple, si vous faites un long footing, le dernier kilomètre vous faites à l'allure course. Bon, peut-être pas le dernier, à l'avant-dernier, parce qu'il faut une petite phase de récupération, toute douce, pour récupérer. Mais l'allure de la course, on ne peut pas le faire tous les jours non plus. L'allure course, c'est quoi? L'allure course, c'est jambes dans les jambes. Plus impossible, sur cette même ligne. Mais pas, mais d'aller vite. Et j'essaye de tenir ce rythme 5 ou 10 km. J'envoie des longs pas et je prends appui sur la pointe des pieds. C'est pas un sprint. J'ai montré encore la différence avec un sprint. Là, on cherche juste à faire des très longues foulées très longtemps. Des longues foulées tout en gérant son souffle et tout en gérant sa course. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire tous les jours. Si vous essayez de battre votre record tous les jours, vous allez forcément vous faire mal et vous allez forcément décliner un jour. Donc c'est pas comme ça qu'on travaille une compétition. Personnellement, mon endurance fondamentale tourne autour de 13-14 km/h. Donc petit footing, facile. L'allure course, on est plutôt sur du 17-18-19 selon le format de course, 5, 10 ou 20, T1. Après, on a bien sûr l'allure sprint qui nous permet de travailler nos finishers ou nos départs de course. Et éventuellement aussi, on peut l'appliquer pendant les séances de fractionnés, notamment les fractionnés courts avec les 200 et les 300 mètres, où on peut bien travailler notre vélocité. Et on sera plutôt sur des allures qui vont de 20, 25, 30, parfois même 40 km/h selon les types de coureurs et les types de distances. Pour finir, n'oubliez pas que la course à pied, c'est avant tout du plaisir, d'accord? On n'est pas des coureurs kényans ni des professionnels, on est juste là pour vivre notre passion et prendre du plaisir, voilà. Donc, à très vite pour de nouvelles aventures les amis, toujours plus fort.